Bonjour, c'est Mandarine pour MetaTrader Technique et Formation. Aujourd'hui, nous allons regarder l'indicateur numéro 27 sur la plateforme MetaTrader. Cet indicateur fait partie du chapitre tendance et mesure la volatilité du marché. En fait, il décrit la valeur de l'écart de prix standard par rapport à la moyenne mobile. Souvent, les prix sont plutôt dispersés par rapport à celle-ci et il est connu cependant que la dynamique du marché consiste dans l'échange de périodes calmes avec des périodes de pointe d'activité. Ainsi, l'approche de cet indicateur est simple. Si la valeur de l'indicateur est trop faible, par exemple lorsque le marché est calme, il est raisonnable d'attendre une impulsion des investisseurs. Au contraire, si l'indicateur est extrêmement élevé, cela signifie que l'activité va ralentir prochainement. Une très forte volatilité correspond assez régulièrement à un maximum, un minimum ou à une nouvelle tendance soudaine après une période de stabilité des cours. La standard déviation qui est directement basée sur la volatilité oscille vers le haut lorsque la volatilité croît. Le standard déviation se résume au calcul de la moyenne mobile simple d'un écart type. Normalement, cet indicateur est utilisé en tant que substitut à d'autres indicateurs. Il doit être interprété, par exemple, avec les bandes de Bollinger. Et on remarque que sur un resserrement des bandes, il faudra guetter l'émergence d'une nouvelle tendance, d'une nouvelle volatilité, pour éventuellement entrer dans le marché. Ensuite, il faut repérer un plus haut et la prise de bénéfice se fera au moment où la standard déviation perdra de sa force. Donc, quand il reviendra en direction de son point zéro. Voilà, j'en ai terminé avec cet indicateur. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.